On va faire bien ailleurs. On n'a rien compris, monsieur. On va virer en arrière. Non, mais on va bientôt rentrer en arrière, c'est ça que tu voulais dire? On va virer en arrière. D'accord. Bonjour. Leçon numéro 1. Comment démonter une tente? C'est très simple. De faire les valises. Oh, j'ai mis tous les habits dans des sacs en fait. En venant, moi je trouve ça beaucoup plus pratique, hein, les fringues. C'est plus compact. Ouais, ça rentre mieux dans le coffre. Faut réfléchir, hein, parce que... La valise de papa est prête. On a du petit dubbing en fond là pour se motiver. La tente est presque finie d'être rangée. La piscine est presque vide. Et ce soir, on a notre dernière soirée. On a invité chez ma copine Séverine. Et demain, on prend la route. It's faux départ, calling for you. It's faux départ. Hein. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Pourquoi partir jusqu'à là? Elle veut charger les pierres apparemment. Stop! Ah bon, les amis, je me fais une pause clope café. C'est nécessaire. J'en peux plus, j'ai pas arrêté de la journée. Petit nono, ben le pauvre, il s'occupe tant bien que mal, hein. Il est tout seul, son frère est pas là. J'ai déjà rangé quasiment tous les jouets. La piscine est vide. Et nous, on est pas mal occupés. Là, papa est parti à la déchetterie mettre les derniers trucs qui restaient. À la botte. Also known as the king of all warriors, your compassion in action, devotion in motion, with the strength to leap the length of the ocean. Bon, ça y est, piscine rangée, tente rangée, valise dans la voiture, on est sur le départ. Et ben, on va y arriver. Ce soir, on va couper la route en deux, on va dormir chez mon frère qui habite à Aix-en-Provence. Et comme ça, demain, ça nous laissera que 4 heures de route, au lieu de 6. Regardez Tyro ce qu'il fait. T'es bien là, dans le trou de la piscine? T'es au frais? Oh mon taille-taille! Oh mon taille-taille! On n'est toujours pas parti. Non, non, je crois qu'on n'y arrivera jamais. En fait, je crois que j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai pas envie de reprendre l'école, maman. C'est nickel, Chrome, y'a plus rien à dire, on peut partir! Bye. Oh mes mères. Sage hein. Oui t'es toujours sage toi. Je me suis fait défoncer de partout. Le destin ne veut pas qu'on parte de cette maison. Au revoir la maison de Nani. Bon là on est à Aix-en-Provence chez mon frère. Et on va pas tarder à partir, il est 10h30. Bon, on devait partir tôt, je sais, mais bon, tôt, nous. C'est parti, on reprend la route, plus que 4 heures de route. L'Ariège m'appelle. Voici Aix-en-Provence. Un petit coin de verdure. T'as pris quoi, mon amoureux? Un Big Mac. C'est bien, fallait l'essentiel. Je vais devoir le ramener parce qu'il est froid.
Bonjour, aujourd'hui on mange à la maison. Merci papa. Quand même, j'ai dû redemander pour avoir un sandwich au chaud. Inadmissible. Maman, tu coûtes à moi à la mienne. Ice tea. Airbnb, ils ont laissé un petit cadeau. Ça veut dire quoi? Ça doit être écrit en japonais ou je sais pas quoi. Je crois que notre maison. Décidément, deux gamelles d'affilée. Oh. Ça va? Gamelles. Deux gamelles, t'es trop excitée, t'es trop content. Non. Oh, non. Attends. Non. On est où là? Oh ton lit, mon chéri. Bravo mon nono, t'as réussi à écrire ton prénom tout seul. Sans toi. C'est la première fois, oh là là. Noah. Ouais, Noah. Noah. C'est trop bien de rentrer chez soi. Bon, il y a un petit peu des toiles d'araignée de partout, là, au plafond, derrière les meubles et tout, c'est un peu dégueu. J'arrive pas à croire que lundi c'est la rentrée, déjà. J'aurai pas mon crapaud. Il part avec son papa, donc qui fera sa rentrée avec son père. Regardez qu'il profite à fond de son bain.